Mes chers concitoyens, l'année a été prude. On a des problèmes pour se dérider la bistouquette, car il fait froid. Et je jure devant les Français que je combattrai l'hiver, le froid. Plus personne n'aura la bistouquette qui se recroqueville en hiver. Non, je vous le dis, il faut que la France avance avec une résolution droite, inflexible. Il faut mettre de côté les différends, réunir les gens pour qu'ils se reproduisent. Il faut de la croissance des bites et des verges. Il faut des enfants pour consommer, pour produire, pour manger des cochonneries importées de Chine, car les Chinois sont nos amis, et oui, et aussi les Indiens, les peaux rouges, et Sitting Bull, et aussi les gens qui sont un peu de travers, car je respecte même les pays qui ne sont pas démocratiques, comme la Triangulie, comme l'Horizontalie, et comme aussi l'Italie. Mes chers compatriotes, l'heure est dure et moi, Flamby Ier, reine de France et de Navarre, pas encore ruinée, mais bientôt vidée, je vous le dis, il faut consommer, produire, voter PS, ne pas bourrer les urnes, mais plutôt le cul de quelques grosses Tata de l'UMP, parce que l'UMP, c'est des vilains. L'UMP ont ruiné la France. Moi, je ne la ruine pas. Je vous demande beaucoup d'argent. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, je ne fous pas la France sans dessous dessous. Non, je veux la relever comme le beat mal en rut d'un communiste qui a perdu l'essence des réalités. Je veux et j'exige et aussi que tout le monde aime tout le monde. Il faut travailler avec votre patron, madame, mademoiselle. S'il vous demande des faveurs, il faut accepter le redressement productif du pays. C'est notre droit. C'est votre devoir de l'accomplir. Il faut absolument prendre à bras le corps les problèmes sociétaux, les problèmes de croissance, de faillite, de gabegie, de ruine, de banqueroute, de mains qui se mettent devant et de mains qui s'ouvrent et qui passent sur le côté. Hop, passez la monnaie, merci. Bien. Je vois au moins que je me suis trouvé un job, un vrai job, un job bien payé, et je vous en remercie, parce que j'ai l'œil. Messieurs, Français, Françaises, luttez contre les pratiques vraiment horribles des religions minoritaire de notre pays. Je veux interdire aux chrétiens le cannibalisme. On peut pas manger Jésus-Christ comme ça tout le temps pendant des années et laisser ce pauvre homme, ce prophète, souffrir. Je suis contre l'hiver. L'hiver fait mal. L'hiver est froid. L'hiver fait des morts. Il faut réquisitionner l'été pour soutenir l'hiver. Pour soutenir les gens qui sont pauvres. Mes chers compatriotes, je vais vous hypnotiser
et vous faire croire que je suis de gauche. De gauche. Oui, regardez-moi bien dans les yeux. Là, regardez au travers mes lunettes. Tu regardes derrière ses yeux et tu regardes ses lunettes, t'as compris, hein? Et sinon, il te balance, tu deviens ouf et hop! Voilà, il ne faut pas prendre les sous où il n'y en a pas. Il ne faut pas bourrer les urnes. En effet, ce n'est pas bien quand Martine Aubry a bourré les urnes de la Fédération de Marseille. Ni... François Hollande nous a quittés. Un destin brisé de cet homme, au téléphone, arrivé au mauvais moment, au moment où la bulle financière éclate, au moment où il y a des forêts qui disparaissent, au moment où le petit doigt ne sent plus le vent, au moment où il y a un homme noir qui, lui, au moins n'est pas au chômage, un homme en salopette qui n'est pas au chômage, des enfants qui savent lire, un type avec des lunettes qui sait tenir la caméra, et un truc qui lui tombe au-dessus de la tête. Vraiment, non, c'était pas le moment. Alors, il a essayé de soulever l'espoir. Oui, je soulève l'espoir, comme je soulèverais. François Hollande, un destin, une fracture.